commissaire Benoît, s'il vous plaît. Le commissaire Benoît, bon. Tenez. Hein. Mais vous en prenez la responsabilité, hein. Non, je suis pas de la campagne, hein. Non, je suis Perrin, moi. Perrin. Je m'appelle pas dans le mot, hein. Bon, d'accord. Alors, je vous le dis maintenant, monsieur. Alors, voilà. Je suis un ami de Pékinet. Ça vous étonne pas? C'est bien le gros qui travaille chez vous. Hein? Oui? Hein? Oui? Et voilà, d'accord. Non, ne coupez pas, je vous le dis tout de suite. Vous voulez pas écouter, vous? Hein? Alors, soyons sérieux. Écoutez, voyons. Alors, je vous disais donc que Pékinet vient d'arrêter un malfaiteur et il sait pas quoi en faire. Le plus fidèle à revenir, c'est mon village au clair de lune. Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies. C'est là, c'est là. On y est. Oui. On est à Bourville. Bah oui, je vois, oui. Oui, tu vois, mais regarde, lieu 2L1. Oui, je sais lire, alors. Et alors, Bourville, c'était IL. Bah oui, alors. Bah et alors, tu le savais pas, je parie que tu sais même pas que Bourville, c'était le nom de son village. Je sais, je le sais, d'ailleurs, c'était même pas son vrai nom, d'ailleurs, Bourville. Son vrai nom, c'était André Rabourg. Ah, tu le sais? Ah, bah tu vois que je le sais. Ah oui, tu le sais quand même. D'ailleurs, c'était même pas Bourville, son premier nom de scène. Son premier nom de scène, c'était Andrel. Andrel, pourquoi Andrel? Écoute, il avait une telle admiration pour Fernandel qu'il avait décidé de s'appeler Andrel. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais par contre, ce que tu ne sais pas, quoi, c'est qu'il n'est pas né à Bourville. Moi aussi. Non, il a passé toute son enfance à Bourville, mais il est né à quelques kilomètres d'ici. Oui, je sais. À un village qui s'appelle... Tu n'arriveras pas à le dire. Qui s'appelle Prétovikmar. Au jardin du temps passé, je m'en vais souvent rêver, afin de retrouver mes printemps effacés. J'entends alors les violons me jouer une chanson, la chanson que longtemps ont chanté mes parents. Dire, par contre, on est où exactement? Alors, ici, je vais te le dire tout de suite sans hésitation. Vas-y. On est en Normandie. Oui, jusque-là, je suis d'accord. Mais où? Entre Dieppe et Rouen.
Entre Dieppe, c'est pour ça qu'on roule depuis. Oui, ah, on n'a pas encore fini, on a rendez-vous là maintenant. On a rendez-vous avec ah oui, avec monsieur le maire, vite, vite. Dans les champs chantaient et les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Vous êtes le frère de Bourville. Oui. Et en plus, le maire du village. Oui. Depuis combien de temps maintenant? 30 ans. 30 ans. Alors on vient de voir, il y a quelques instants, les images du village, donc ça a baigné votre enfance et oui. celle de Bourville. Bien sûr. C'était ici dans cette classe qu'on est dans l'école du village de Bourville. Oui. C'est oui. ici dans cette classe que vous avez fait vos études et votre frère aussi. Oui, exactement. Et c'était, vous nous voilà. Avez dit tout à l'heure, la place. Ah, juste à côté. Vous n'étiez pas dans la même classe, mais vous avez eu le même institut. Voilà, pas dans la même classe, parce que nous étions trop. Oui. Il y avait 7 ans de différence et oui. il avait fini, j'arrivais. Ah voilà, c'est ça. Vous l'avez succédé. Voilà. Et alors, on a toujours dit que Bourville était un très très bon élève, vous pouvez nous le confirmer. Mais d'après mon instituteur, il n'avait jamais rencontré un élève comme lui dans sa vie. Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage, d'un petit garçon qui a bien grandi. Chaque fois qu'il venait dans la région, il venait me voir, et pendant 40 années, il m'a tenu au lit sa sincère amitié. C'était le bel âge, monsieur le maître d'école. Moi je me souviens encore de vous. Joujou, genou, caillou, bijou. J'ai connu André Rimbourg en 1927, alors qu'il était âgé de 10 ans et demi. Très vite, j'ai pu déceler ses traits de caractère, sa simplicité, sa douceur, sa serviabilité et sa grande sensibilité. Ensuite, j'ai été impressionné par ses dons pour le dessin, pour la peinture, par son esprit d'observation et par sa finesse. Puis, il a écrit un poème qu'il a intitulé « Moins mot », dont je vais vous lire un passage. « Moins mot est si petit que la commune l'oublie, portant des scènes, des hommes. Un seul et étroit chemin y est creusé, où deux voitures ne peuvent se croiser. L'hiver, les voitures, dont les roues creusent le chemin, font de la boue. Croyez-vous qu'un cantonnier y met la main? La commune dit, il n'en a pas besoin. Parfois, cette voie est jonchée de feuilles mortes qui sont tombées. Toujours au bord du chemin s'écoule un noir purin. C'est ainsi que des nombreuses volées de mouches viennent chercher la pâtée. De tout cela, on pourrait se débarrasser s'il y avait un cantonnier. En classe, il était très studieux et très appliqué. D'ailleurs, il a obtenu le certificat d'études avec la mention « Très bien », le numéro 1 et les félicitations du jury. Quand j'avais 10 ans, je chantais déjà à l'école de Bourville. C'était le bout d'entrain de la classe. Si vous demandez à un enfant, dis-moi donc dans quel endroit t'es né, né. Il vous répondra, c'est évident, dans, en se tortillant comme du caoutchouc, chou. Fofon, néné, dans, chouchou. D'abord, je l'avais envoyé à d'autres au cours complémentaire pour qu'il continue ses études, car je désirais qu'il soit instituteur. Mais la vie de l'internat ne l'intéressait pas. Il était épris de liberté. Et au bout d'une année, il a quitté le pensionnat. C'est alors qu'il a appris le métier de boulanger et la musique.
qu'est-ce qu'il m'a donné? L'âme d'un artiste, c'est le piston. Quoi, et quoi alors? C'est ici? Oui, c'est ici, Paris, à la gare Saint-Lazare, que le 6 mars 1937, Bourville débarque pour la toute première fois. Il arrive de sa Normandie natale, non, ici, oui, il arrive de sa Normandie natale, et il découvre pour la première fois la capitale, il est très impressionné d'ailleurs. Et Bourville a 20 ans, oui. Engagé pour 3 années, 3 ans, à l'armée, oui. Au 24e régiment d'infanterie, oui. Dans son arme préférée, le piston. Pas t'as qu'à me dire, pas t'as qu'à me dire, tu. C'est à d'oser me dire pourquoi si j'ose. Tout à coup j'ai dit, tout à coup j'ai dit, tu. J'avais osé et j'en étais tout chaud. Petit cochon d'amour, t'as susurré pour que si je me susure. C'est ici, place de Clichy, où, juste avant la guerre, étaient organisés dans les brasseries environnantes les premiers concours amateurs, ce qu'on appelait à l'époque des radio-crochets. Et c'est là que Bourville, encore amateur, a remporté ses premiers succès. Oui, d'ailleurs, à l'époque, il n'utilisait pas du tout encore ses propres chansons, ni ses propres sketchs. Il interprétait essentiellement les grands succès de Fernandel. En 1941, Bourville s'installe au 54 de la rue de Clichy, dans une minuscule chambre de bonne. Et derrière moi, vous avez mon frère. Mais derrière, mon frère, vous avez la Gaîté Montparnasse. Gaîté Montparnasse, d'ailleurs, où il a eu son premier cachet. Son premier cachet, c'est vrai. J'étais plombier, musicien, garçon boulanger, garçon de course aussi. Oui. Mais ça n'est jamais, comment dirais-je, dramatique. Oui. Je me rappelle ce moment de la vie avec une nostalgie. Alors ici, on est devant chez ma cousine. Chez ta cousine? Oui, non, pas ma cousine. Chez ma cousine, c'est le nom du cabaret. Ah, c'est le nom, d'accord. Un des premiers cabarets où Bourville a chanté sa fameuse chanson, tu sais, Les Crayons. Ah oui, Les Crayons. Une des premières fois, c'était ici. Ouais, d'accord. D'ailleurs, cette chanson, Les Crayons, il ne l'a pas chantée qu'ici. Il l'a chantée aussi dans un cabaret qui n'existe plus, d'ailleurs, le club rue Pierre Charron. Oui, mais il n'existe plus. Non, on ne cherche pas. Elle n'avait pas de parents, puisqu'elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue. Si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, mais ça qu'est triste. Alors le 23 janvier 1943, Bourville épouse son amour de jeunesse, Jeanne Lefric. Et il s'installe au 25 de la rue des Laitières, à Vincennes, dans un minuscule appartement au 7e étage. C'est à la même époque, d'ailleurs, qu'il est admis à la SACEM, parrainé par Vincent Scotto. Puis peu après, il a la chance de voir ses chansons à la vitrine de tous les magasins avec sa physionomie en couverture. J'étais couché avec une angine, oui, c'est ça. J'avais une grosse angine, j'avais pas envie d'écouter la radio, mais instinctivement, on la prenait à l'époque, vous savez. Et j'entends cette voix qui chantait les cartes postales, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est phénoménal, ou alors j'ai 42 de fièvre, ou alors c'est extraordinaire. J'avais jamais entendu une voix aussi drôle, aussi personnalisée que celle-là. Et le lendemain matin, je téléphone à ma secrétaire, je lui dis, écoutez, je suis malade chez moi, trouvez-moi un certain Bourville. Il faut que je l'aie chez moi dans 2 heures. Et je dois dire que 2 heures après, il arrive, assez minable à l'époque, vous l'avez connu à ses débuts, avec un petit manteau un peu court, avec ses cheveux, ça sombre. Bref, assez triste à regarder au fond. On bavarde, il gagne péniblement sa vie, il habitait rue des Laitières à Vincennes dans un immeuble épouvantable. Enfin, je lui dis, bah écoutez, on va tout changer à partir d'aujourd'hui. Je vous prends l'exclusivité, théâtre, tournée, radio, tout spectacle, je ne pensais pas au cinéma, hélas, à l'époque, et je lui dis, voilà, je vous fais un contrat dans telles conditions, si vous êtes d'accord, s'il était d'accord. Il était livide et en même temps fou de joie, se rendant compte que je ne plaisantais pas. Eh bien, il me dit d'accord. Alors on se serre la main, et puis je l'accompagne à la porte, et au moment où il allait sortir, il me dit quelque chose qui m'a frappé beaucoup. Il me dit, vous savez, ça fait 3 fois que je viens à votre bureau pour vous voir, on me fout toujours dehors. Des
blessés militaires assistent à Paris à la reprise des séances publiques du pêle-mêle radiophonique. Monsieur Champagne, bonsoir Monsieur Champagne. Rarement, ambiance plus chaleureuse a accueilli les vedettes de cette populaire émission, Bourville en tête. Préférant l'amour sincère aux richesses mensongères, il est mort car les poissons, ça ne vit pas sur les paillassons. Au bout de 6 pêle-mêles, c'est-à-dire 48 minutes par conséquent, il avait un tel triomphe dans la salle où nous passions, mais c'était une salle avec un public que vous connaissez bien, toujours le même, et je me suis dit, bon, il est gentil celui-là, et puis ce qu'il faudrait, c'est essayer le vrai public. Je me suis dit, c'est tout de même un peu prématuré, après précisément 48 minutes, je me suis dit, mais on va quand même essayer. Alors j'ai retenu une salle à Levallois, si j'ai bonne mémoire. Et ce soir-là, il a fallu appeler les pompiers, parce qu'il y avait environ 4000 personnes à la porte. Donc en 48 minutes, Bourville était devenu un monstre. Dans tout Paris, ce n'est qu'un cri, c'est la don-don de Dieu. La don-don de Dieu. La don-don de Dieu. Pourquoi tous les gens disent c'est la don-don de Dieu. La don-don de Dieu. La don-don de Dieu. Je peux pas le dire. Roger-Pierre, vous avez côtoyé Bourville pendant de nombreuses années. Est-ce que vous vous rappelez la première rencontre avec Bourville? La première rencontre, oui. C'est Jean Richard qui avait engagé Bourville pour jouer au Canada avec les Burlesques de Paris en 1950. Il est venu avec son épouse. C'était un couple très uni, charmant. Et il avait des goûts très modestes, Bourville. Et moi, je gagnais $7.50 par jour, des dollars canadiens. Alors, je fréquentais des petits restaurants, le Din Timur, rue Saint-Denis. Et je retrouvais presque tous les jours Bourville, parce qu'il avait les mêmes goûts que moi. Des goûts simples. Des goûts tout simples. Oui. Je vais vous raconter une anecdote formidable. Dans ce Din Timur, un jour il fait, Roger, on va aller avec ma femme prendre un chocolat, hein, ou du thé. C'était l'après-midi. C'était au mois de janvier 1950. Il faisait au moins moins 15 dans la rue. Et alors on parlait comme ça très gentiment. Et pas des étudiants. Il y avait une sortie d'université. Et tout, c'est Bourville, regarde donc, c'est Bourville. Le patron a peur, mais doucement. Vous allez casser les glaces. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On voudrait des autographes. Bon, ça c'est grave, d'accord. Très bien, là. Vous allez rentrer deux par deux. Hein, et puis dans le silence et dans le calme, ça fout tout le monde dehors. Les étudiants, il y en avait. Il faisait moins 15 dehors. Et les étudiants rentraient par deux. Et Bourville s'est mis à signer. Moi, je n'étais pas connu, alors je regardais. Je buvais mon thé. Et donc, Bourville signait. Et dans la rue passe Jean Richard, avec un petit chapeau rond. Il voit Bourville, il voit la scène, et il me fait de loin. Il se met avec les étudiants. Il enlève son chapeau et il avance avec les deux rangées. Là. Il arrive à Bourville, il donne un petit papier, il me fait. Bourville signe, madame, monsieur. Richard se redresse, lit le petit papier et Bourville avait écrit dessus, grand con. Il avait cru piéger Bourville, mais on piège pas Bourville. On piège pas Bourville. Roger, c'est une petite chanson. Ah. J'en ai assez de jouer les paysans, alors là je vais être un ouvrier. Un ouvrier? Ah. Oui, j'aurais un ouvrier. Tu vois, comme Montand. Oui, Montand. Dans mon usine de puteau, on peut dire que j'ai le bon boulot. Allume la barre, tum, 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 tum. Je voudrais ça. Alors, je vais téléphoner. Allô, Dédé? Oui. Plombier zingueur, ça te plairait? Oh, oui, ça marche! Alors, il a créé la chanson au vélodrome d'hiver pour le départ des derniers 6 jours. Je crois que c'était en 52 ou 3. Et il m'a téléphoné à lui, Roger, j'ai chanté la chanson juste avant le départ. Alors, ça marche. Au Bourville, pompon, tous deux nous dirons, oh, oh, regardez qu'un ché, ce soir. Si le cœur nous conduit, si, on pourra aussi, si, se mettre à qu'un ché, de bois à vos amours, mes enfants. Prospérité, bonheur. Qui c'est qui pousse la première? Félix. C'était toi qui commences, mon oncle. À quoi faire? Bah, à chanter, parler.
connais tout ça depuis 100 ans. Bah, un jour comme aujourd'hui, on pousse chacun la sienne. Mais comment, mon garçon? Ah, décidément, il n'y en a que pour lui. Nous en pleine mondanité, hein. Il faut de l'entrain. Oh oui, oui, monsieur Léon, chantez-nous une petite chanson. Non, mais puisque vous insistez, je vais vous en chanter. Ah, oui. Ah, oui. Ah. Ma jolie blonde s'appelle Edmond et sa blonde a des merveilles. C'est une blonde unique au monde. Ses cheveux sont blonds comme les blés au soleil. Blonds comme les blés au soleil. S'il fait nuit aussi. S'il fait nuit, ben, ils sont bien blonds quand même. C'est pour ça que je les aime. Des beaux cheveux de là et qui frisent à bas, ben, c'est ça qui fait bien. Je voudrais avoir les mêmes pour la seule que j'aime. On se passerait un peu la main dans les cheveux, il me semble qu'on serait heureux. Ah, 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 ah. Son cœur s'enflamme, c'est une femme, tout comme un fourneau qui brûle. C'est formidable, c'est incroyable, son cœur est aussi chaud que la canicule. Aussi chaud que la canicule. Oui, mais s'il gèle. S'il gèle, ben, il est bien chaud quand même. C'est pour ça que je l'aime. C'est comme un petit volcan qui fuse tout le temps, il doit faire chaud dedans. Je voudrais avoir le même pour la cellule que j'aime. Avec un cœur brûlant, j'aurais bien souvent le sentiment très grand. Ah, 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 ah. Delorme, vous avez tourné le film qui s'appelle Miquette et sa mère d'Henri-Georges Clouzot qui était en 1949. Oui. Henri-Georges Clouzot qui a proposé, je crois, pour la première fois un rôle qui n'était pas le rôle de l'idiot du village pour Bourville. Je crois que c'était son premier rôle, je vais dire, un peu intéressant. Vous avez des souvenirs précis de ce film? Oh oui, j'ai plein de souvenirs de ce film, d'abord parce que j'avais la chance de me trouver quand même avec Jouvet, avec Saturnin Fabre. Avec, des pointures. Avec Bourville, puis avec moi. Alors on était quatre, et on a tourné 11 semaines. C'était un film très très long. Et pendant 11 semaines, on a déjeuné tous les quatre pendant 11 semaines. Rien que ça. Ah, oui. Vous imaginez, là, on dit, pendant 11 semaines, tu pourras déjeuner avec ces trois personnes-là. Rien que ça, c'est un cadeau du ciel. C'est pas toi que j'aime. Ni toi. Celui que j'aime, il a pas l'air aussi malin. Il est sûrement plus fidèle. Ah, c'est encore vous? Oui, je suis venu parce que j'ai trouvé le moyen. Le moyen de quoi? Le moyen de... Voilà, j'ai besoin d'envoyer tout de suite une carte postale illustrée avec une illustration. Eh bien, voyez notre collection artistique. Laquelle voulez-vous? N'importe, une qui vous plaise. Oh, justement, voilà une très jolie vue de votre château. Avec une loupe? On aperçoit même à la fenêtre, monsieur le marquis, votre oncle. Ah non, alors non, non. J'aime mieux qu'il puisse pas voir ce que j'ai fait. Enfin, faut pas être fou, quand même. Pas moi, alors. Prenez celle que vous voulez. Celle-là. Ce bouquet de Marguerite. C'est joli, hein? Oui. C'est original, hein? Ah oui. Par exemple, vous avez peu de place pour écrire. Oh, ça fait rien. C'est très court, ce que j'ai écrit. 400 mots, pas plus. Alors, il vous suffira de mettre un timbre d'un sou. Bon. Au terme du nouveau règlement, pour elle, vous avez droit à 5 mots quand c'est une formule de politesse. Ah bah, tant mieux, tant mieux. Je suis bien content. Et c'est une formule de politesse que vous avez à écrire, monsieur Urbain? Ah, pour sûr que c'est une formule de politesse. D'ailleurs, vous pouvez lire. Mademoiselle, je vous... donne seulement! Ah, c'est trop fort! Mais ça, vous pouvez écrire ça! Monsieur... Il y a une femme, je suis sûre que c'est pas une femme! C'est ça que vous appelez une formule de politesse! Mais l'administration ne considère pas une déclaration d'amour comme une formule de politesse, monsieur! Et puis elle a joliment raison, l'administration! Mais je vous mettrai un compte de dessous! Hmm? Oh, évidemment, vous avez le droit d'écrire ce qui vous plaît, mais vous en laissez vous dispenser de me faire dire des erreurs pareilles! Manque de tact, voilà tout. Hein? Et ça me laisse parfaitement calme, vous pouvez le voir. La preuve. Je vais la mettre moi-même à la poste, votre sale carte. Attendez, attendez. Oh, ce bouquet de Marguerite, que c'est ridicule. Comment peut-on rejeter ça? Attendez, attendez, il n'y a pas d'adresse. Ah, parce qu'il faut aussi mettre l'adresse par-dessus le marché. Eh bien, c'est un comble, tenez. Oui, vous ne comprenez pas. J'avais pensé que vous ou moi, peut-être que... Attendez. Ne vous impatientez pas. Mademoiselle. C'est fini, oui? Oui, c'est fini. La voilà, l'adresse.
Mademoiselle Miquette Grandier. Mais c'est moi, Miquette Grandier. Enfin, je crois que c'est moi. Moi aussi. Alors, c'est moi que... Oui. Oh, oh mon Dieu. Il était content d'être dans un personnage différent où ça lui faisait peur en même temps. Mais je crois que André tout l'amusait et qu'il avait une intelligence. J'ai toujours pensé que c'était un des acteurs les plus intelligents que j'ai rencontré, parce qu'on pouvait parler de tout avec lui. Il était le contraire du personnage qu'il a créé. Fantastique. Alors, c'était magnifique d'être avec lui, tout simplement. Et puisqu'il avait dit oui, il prenait toute bonne humeur. Et il essayait de faire au mieux, il essayait de bien travailler. Il était travailleur, et il savait toujours son texte. Et... Alors, entre la manière dont il était dans le personnage, où il devait faire un jeune premier un peu ballot comme ça, et puis le vrai Bourvil... Il y avait un monde, hein. Alors Gérard, oui, vous étiez, on peut dire, un ami de Bourvil. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous l'avez rencontré? Ah ben la première fois, c'est que j'étais encore acteur, un jeune comédien, et c'est nous avons tourné ensemble dans le Passe-Muraille. Ça aurait pu très mal commencer, puisque dans le Passe-Muraille, il devait me coller des paires de gifles au travers d'un mur, et naturellement, on n'en était pas à l'époque... aux effets spéciaux comme maintenant, ce qui fait qu'on a dû reprendre un nombre incalculable de fois une baffe, ce qui fait qu'à la fin, il avait en plus, Bourvil, une main, il avait cultivé la charrue, il avait une main solide, il était extrêmement costaud, et moi j'avais tendance, au bout d'un certain nombre de baffes, à éviter. Qu'on me faisait à éviter, ce qui fait qu'on en a fait 14-15, ça a commencé sous le signe des gifles. Ne me pousse pas à bout, Suzanne, je veux savoir avec qui tu as rendez-vous. Eh bien, je vais te le dire. J'attends Garou, Garou. Garou, Garou. Non, mais tu te fous de moi. C'est la vérité. Mais il est en tôle, ton Garou, Garou. Il va s'évader cette nuit pour venir me voir. Ah, me dis donc pour bêtise. Toi aussi, t'as tourné la tête avec toutes ces histoires. Peut-être. Ouais. Va falloir trouver autre chose, ma petite. Oh, je suis pas pressé. Je peux attendre. Garou, Garou, oh, t'es un beau bluff. Encore une invention de tes journalistes. J'y crois pas, moi, Garou, Garou. Tu vois, j'y crois pas. N'y crois pas. Tu n'y crois toujours pas à Garou, Garou? Toi, tu vas me le payer. Police! 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 Mais où êtes-vous? Coco! Garou, Garou! Vous voyez, je tiens toujours mes promesses. J'espère que vous n'êtes pas trop déçu. Vous faisiez une idée tellement belle de Garou, Garou. Je ne trouve pas les mots pour vous dire ce que je ressens. Vous êtes un homme comme tous les autres. Oh non, vous avez fait des choses extraordinaires. Vous seriez un chef de bande merveilleux. Oh, ne trompez-vous. Je ne suis qu'un honnête petit employé, bien timide encore. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous montrer que l'aventure, ça finit toujours en prison. Et quand on y est, pour en sortir, vous savez... C'est pas la peine de tout le monde. Et malheureusement, je ne vois pas dans vos lignes que vous ayez la faculté de traverser les murs, vous. Moi? Non. Non. Mais qu'est-ce que vous pouvez voir dans ma main si Garou, Garou restera longtemps, mon ami? Oui. Oui, très longtemps. Mais si vous lui promettez d'être une petite fille bien sage et de rentrer dans votre pays. Dans mon pays? Non. Est-ce qu'il vient de me voir?
En Angleterre? En Angleterre? Oui, oui. L'été prochain, si les congés payés marchent pour l'étranger. En 1958, Bourvil crée avec Georges Guettari et Pierrette Bruno la célèbre opérette Pacifico. Tout à fait. Il faut savoir que parallèlement à son succès à la radio et surtout au cinéma, il triomphait littéralement sur scène dans 6 opérettes. Oui, dont les 3 premières furent écrites par Jean-Jacques Vital et Bruno Kocatrick. Qui sera le futur directeur de l'Olympia d'ailleurs. Tout à fait. Pas le dire. Ça me fait rire. Ray Ventura et Bruno Kocatrick, vous avez donc monté ensemble un certain nombre d'opérettes de Bourvil. Ah oui. Lesquels? La Bonne Hôtesse, le Maharaja. Et avant d'ailleurs, il y avait eu un spectacle que nous avions fait ensemble, c'était l'orchestre de Ventura. Et un extrait de l'émission pêle-mêle. Et dont Bourvil était la vedette principale. Oui, c'est ça. Une tournée en province d'abord, qui a été triomphale pour le spectacle. Je me souviens d'une période que nous ne reverrons jamais probablement. Les matinées obligatoires l'après-midi en semaine. Avec Bourvil, nous n'avons eu que des succès. Il y a La Bonne Hôtesse, il y avait avec Bourvil, il y avait Gisèle Pascal, André Claveau. André Claveau. Il y avait de Trébert. Coco Asselin. Ah, ça, je me souviens d'une chanson qui était un succès formidable, que Bruno, dont Bruno a écrit la musique, c'était « je suis content, ça marche hein? ». Il m'avait caché cette voix. Ah oui, oui, mais tu sais que j'ai jamais chanté, moi. J'aurais dû. Et je me rappelle des airs du Maharaja, bien que je me souvienne qu'il y avait pour Bourvil une chanson très amusante. C'était le... Le Yogi Gay. Le Yogi Gay. Voilà. Ah, Yogi. Est un monsieur triste. C'est un monsieur pétiniste. Alors, le Yogi Gay, ça faisait des possibilités de sonorité. Oui, je m'en doute. Il faisait la voix de Bourvil et du public. Il finissait ça d'ailleurs par une danse, pseudo-yogi, pseudo-maharaja, puisque l'opérette s'appelle Maharaja, et je dois dire que la danse faisait au moins autant de succès que la chanson. Je crois que vous avez connu Bourvil, on peut dire presque au début de sa carrière, et vous étiez vraiment tout petit. C'était vraiment les débuts de la mienne. Expliquez-nous. Si on peut parler de carrière, je devais avoir 3 ans et demi à peu près. Maman jouait une grande opérette à Bruxelles, à l'Alhambra, qui a disparu maintenant, malheureusement. Elle jouait une opérette qui s'appelait le Maharaja, avec Bourvil. Et ça devait être un jeudi après-midi. Ma maman m'avait emmené en vacances là-bas à Bruxelles. Et j'étais dans sa loge. Et c'est marrant parce que j'étais très jeune, mais je m'en souviens. Je m'en souviens vaguement, mais je m'en souviens. Enfin, on m'a expliqué. Et ça devait être l'entracte. Et j'ai disparu dans les coulisses. Je suis descendu. Il y avait un petit escalier. Je me suis mis à gambader dans les couloirs. Puis je suis arrivé dans un endroit en pleine obscurité. Et je voyais des maisons en carton, des arbres en bois, ça me paraissait extraordinaire. Alors je touchais ça, je regardais à droite, à gauche. Et puis il y avait un grand rideau au fond. Et puis il y avait un murmure derrière. Manifestement, il y avait des gens. Et d'un seul coup, j'ai entendu de la musique. Le rideau s'est ouvert. J'ai été complètement ébloui par un grand soleil. À cette époque, je prenais ça pour un soleil. C'était les projecteurs. Je venais d'entrer en scène pour la première fois. Je m'étais paumé et il ne m'avait pas vu. Et le rideau s'est ouvert. Éclat de rire du public. Et d'un seul coup, j'ai entendu une voix derrière qui est arrivée. « Excusez-le, c'est le fils de ma partenaire. Il va s'en aller. » Eh ben, dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais là? C'était Bourvil. Et c'est Bourvil a été donc mon premier partenaire de scène. Et le... Fleury, on faisait un numéro d'Edé et moi, Bourvil et moi. J'imitais Piaf. C'était l'époque où elle chantait « Padam, 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 da-da-di-da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 -
et ça s'appelait Daga, Daga, Dagada, soin de soin, cet air qui me suit dans les coins. Daga, Daga, enfin tu vois. Et Dédé, enfin Bourville, était censé me mettre en scène. Alors moi je faisais ça, il me disait, non c'est pas bon, il faut faire ça comme ça et comme ça. Enfin tu vois un peu, ça durait, ce numéro qui avait commencé à 3 minutes, finissait par faire 12 minutes, tu vois, parce qu'on avait trouvé des trucs extraordinaires. Et un jour en plus, voilà, c'est pas que j'ai un trou de mémoire. Impossible de dire ce que j'avais à dire. Et alors, cet ahuri de Dédé, il a mis le public dans la confidence. Il disait, voyez comme elle est là. Elle sait plus ce qu'elle doit dire. Elle se rappelle plus. Elle a un trou. Elle a un trou, mais je vous dis. Et ça a duré. Et moi, j'étais écroulée. Je te dis, j'ai fait une pire. Ça a été affreux. Annie Cordy a également partagé avec Bourville l'affiche de sa dernière opérette, Wawa, en 1965. Sur les 53 films qu'il a fait, qui la plupart sont des comédies, Bourville a quand même tourné 14 films dramatiques. Le premier étant Seul dans Paris, le second, La traversée de Paris avec Jean Gabin. C'est un nouveau dans le cinéma qui, je crois, réussira. Oui, oui. C'est mon avis. Il s'appelle Jean Gabin, voyez-vous. Il n'est pas dans mon cœur. Il est dans mon cœur, mais il est dans ma coupe en même temps, voyez-vous. Regardez. Hein? Il a un physique intéressant, hein? Gabin. G-A-B-I-N. Retenez bien ce nom. Hein? Gardez-moi ce faciès. Ah, mais il ne me ressemble pas, mais... Il ne pourrait pas chanter les crayons ni la bicyclette, mais... Eh bien, je me permets de faire cette plaisanterie parce que je sais que Jean regarde la télévision, alors peut-être que ça va le faire rire. Enfin, je ne vous ai pas parlé de Gabin pour vous dire toutes ces bêtises, mais pour vous raconter une chose sympathique. Moi, j'ai peur ce type-là. D'abord, il a des dents en or. Et après? Et c'est un flic, hein? Ah? Un vrai ou un faux? Moi, je m'en fous bien, c'est pareil. Vous avez bien travaillé? Ah, ben, j'ai... Monsieur Janvier, 45 rue de Poliveau. Maintenant, c'est 2000 francs! Oh! C'est bon, fille, pour moi. Mais je laisse pas ce main, ou... Tenez, tenez, tenez. Merci.
C'est vraiment pas toi. Gardez-moi ça, les haricots de premier choix. Vandale. Comme si c'était le moment de gâcher la marchandise. Ah, ah non, ah non, ah non. Voulez-vous la faire tout de suite, non? Vous êtes où? Ah, mon billet, mon billet. Je voulais dire 3 000. Ah, tu vas rendre cet argent-là. Tu m'entends? Tu vas rendre ce truc. Qu'est-ce que tu dis, quoi? C'est ça? Donnez-lui raison contre moi. Je fais ce que je veux de mon argent. Ah bon, bon, bon. Et puis venez-vous de ce qui vous regarde, hein? Vous auriez mieux de vous dépêcher, vous êtes bouclé vos valises. Pour une chambre. Ah! Bonjour, bon Noël! Écoutez, maintenant que vous avez vos 3 000 balles, alors barrez-vous! Allez! Dans le cochon? Ah, jamais, on m'a promis un cochon, je ne partirai pas sans mon cochon, moi. Écoutez, monsieur, je vous en prie, vous occupez plus de ce cochon! Et alors, je vais pas me taper tout seul, non? Mais n'en est pas question, Martin! Notre amusant vient plaisante! Je te lâcherai pas, moi! Allez, allez, on y va! Dites-moi, monsieur Jambier, maintenant qu'on est copains, si on me demande des renseignements sur votre cochon, d'où vient-il? Monsieur Grandgilles, je m'en remets à votre honnêteté. Et pour le reste, à la grâce de Dieu. Ah. Mais pensez à ce que j'ai fait pour vous. Tenez, un petit paquet de gauloises, là, pour le trajet. Ouais. Il en manque que deux. Et il lui donne des cigarettes, maintenant. Oh! Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2 000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Je demi-prends, francs, nom d'adieu, Jambier! Jambier, demi-prends! Rien du tout! Je lui casse la gueule! Jambier, je veux 2 000 francs, Jambier, 45 rue Palimo! Oui, oui, on le sait, plus un franc, plus un sou! Mais laissez-moi descendre! Jambier! 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 Non, c'est rien, ça s'arrange. Monsieur Jambier, je vous préviens qu'il me faut un cœur. Et moi, plus rien, ça va. Et maintenant, allez-vous-en. Allez-vous-en. Ça, vous êtes fait, hein. Allez-vous-en, allez hop. Et moi. Allez. Et moi. Allez-vous-en. Et moi. Toi et vous. Ben, on avait dit 450. Bon, j'en ai déjà donné 5 000. La caisse est fermée, allez hop, démerdez-vous. Le 8 mars 1956, je recevais de Marcel Aimé la lettre suivante. Cher ami, j'ai lu dans les journaux il y a environ une semaine que les interprètes principaux de la traversée de Paris devaient être Gabin et Bourvil et j'ai cru à une farce. Vous savez aussi bien que moi que Bourvil est l'opposé du rôle et je ne dis rien de ses qualités d'acteur. J'entends bien qu'il s'agit maintenant de faire commercial à tout prix et de tourner la chose en grosse guignolade, mais je ne crois même pas que ce soit là un bon calcul. Bourvil pourra y aller de toutes ses bonnes ficelles dans le rôle de Martin, il ne sera qu'insignifiant. À la route. Le film étant fait, il y a eu la présentation et que je recevais la même année, 1956, le 8 novembre, la lettre suivante, de Marcel Aimé. Cher ami, j'espérais vous voir à la présentation du film et j'ai regretté que vous n'y soyez pas. Je vous aurais dit de vive voix combien j'étais content du film qui est une vraie réussite. Je vous aurais dit aussi que j'avais trouvé Bourvil tout à fait remarquable et j'aurais hautement confessé mon erreur. Bourvil recevra la Coupe Volpi à la Biennale de Venise pour son interprétation dans ce film. Bourvil a tourné 2 très beaux films avec Michel Morgan, Le Miroir à 2 faces et Fortuna. Travailler avec Bourvil, c'est... En compagnie de Brigitte Bardot et Daniel Darieux, Bourvil reçoit une victoire du cinéma français. À quoi attribuez-vous votre succès? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas l'attribuer seulement à cette chance, comme vous dites. Ah non, je crois que le ciel m'a donné une nature comique, un tempérament optimiste, et puis le goût, on ne sait pas pourquoi, le goût de... le plaisir de faire rire. Toute ma vie, depuis mon enfance, quand j'étais gosse, quand j'allais à l'école à Bourvil, l'instituteur me faisait chanter, et je chantais déjà des chansons comiques quand j'avais 10 ans. Parfois je chantais des chansons qui n'étaient pas pour moi, il me disait non, non, pas ça. Hein. J'étais inconscient, je chantais quand même. Après, pendant toute ma jeunesse, j'ai adoré faire rire. Faire rire, pour moi, ça me donne beaucoup de satisfaction. Vous disiez, j'étais inconscient. Dans la plupart de vos rôles,
Vous essayez aussi souvent de nous faire croire que vous êtes un personnage un peu inconscient, mais il y a pas mal de gens qui ont l'impression, au contraire, que Bourvil est finaud. Hein, d'ailleurs, on vous considère comme un des comédiens les plus intelligents. Oh là là, oui, vous allez me faire rougir. Heureusement que c'est pas de la télévision en couleur. Et alors aussi, à côté de finaud, on a dit que vous étiez un tendre. Alors finalement, qu'est-ce que vous êtes, un finaud ou un tendre? Un tendre, ben, on est tous un peu tendre. On a toujours une petite fleur bleue de cachet. Là, à gauche, vous appelez ça le cœur, chez vous. Hein, nous, oui. Chez nous aussi. Forcément. Celui qui n'a pas ça, ben je le plains. Et même ceux qui, comment dirais-je, les plus grands optimistes, et ils ont, heureusement dans leur vie, des moments où ils s'attendrissent, où ils tombent amoureux, c'est normal. Et quand on les ressent bien, ces moments-là, on peut les reproduire en... soit sur la scène, soit à la télévision. Adamo, vous avez tourné en 1967 Les Arnauds avec Bourvil, vous partagez l'affiche avec lui. Comment s'est déroulée votre première rencontre? Il était venu me voir à l'Olympia. D'ailleurs, j'ai une photo de lui où, en fait, comme je transpire beaucoup en scène, il est venu sportivement m'essuyer le dos. En fait, on m'avait fait plusieurs propositions à l'époque, même... Autant Lara m'avait même proposé de jouer Lucien Lewen, et je trouvais que c'était un rôle beaucoup trop important pour moi, parce que je suis jamais qu'un amateur. Et alors c'est Michel Ardan qui est venu me dire, tiens, j'ai un rôle pour toi avec Bourvil. Et en fait, dès que le nom de Bourvil est sorti du chapeau, j'ai dit, voilà le film que je dois faire, parce que d'abord je voulais pas porter le film seul sur mes épaules. Et la présence de Bourvil, que j'admirais déjà depuis plusieurs années, me réconfortait. Et voilà, et il est venu me faire ma connaissance à l'Olympia. Je chantais Vous permettez monsieur à l'époque, il m'a dit tiens, si tu m'avais proposé cette chanson-là, je l'aurais chantée volontiers. Et il me l'a chantée plusieurs fois après pendant le tournage. Donc comme ça je l'ai connu à l'Olympia. Le premier contact c'est vraiment à l'Olympia, très bien passé. Oui, ouais. Il est venu dans ma loge, puis on est allé dîner ensemble. Et ça c'était en fonction de la préparation du film, surtout qu'il était venu vous voir, ou c'était longtemps avant? Non, c'était quelques mois avant, j'avais même pas donné l'accord, c'était... En fait je crois que le producteur l'avait un peu envoyé en ambassadeur pour me convaincre de tourner ce film, parce que c'était quand même un challenge, C'était un domaine complètement film. Inconnu pour moi, c'était le tout premier film. Et voilà, et le sourire de Bourvil m'a convaincu. Et sur le tournage, donc pour vous, c'était votre tout premier film, lui c'était son 45e, oui. C'était une grande vedette de cinéma, vous étiez une star de la chanson, et la rencontre s'est faite comment? C'est-à-dire, sur le plateau, il vous donnait des conseils, ou bien vous lui en demandiez, ou vous l'observiez, comment ça se passait? Mais il avait l'art de faire passer son conseil pour simplement une remarque comme ça en passant. Il avait vraiment pris sous son aile... Et il me jouait carrément ma scène. Il me disait, écoutez, moi, cette scène-là, parce qu'on avait la scène, moi, je verrais bien un petit truc comme ça. Il me la jouait, et d'une certaine façon, j'avais pratiquement qu'à calquer mon jeu sur ce qu'il venait de me montrer, minutes avant. Et vous lui demandiez quand même des conseils, ou oui. Pas du tout? Oui. Mais c'est assez paradoxal, parce que, il était, en l'occurrence, il était mon maître sur ce film. Mais par exemple, quand on remarquait une petite chose qui n'allait pas par rapport au metteur en scène, qui nous demandait quelque chose un peu forcé, on en parlait et n'osait pas lui le dire au metteur en scène, parce qu'il était timide. Ah, oui. Donc, moi qui suis timide aussi, j'étais un peu moins timide que lui, et lui m'envoyait parler au metteur en scène. Surprenant, ça. C'était très surprenant, mais il était comme ça, c'était en même temps un bout en train, vous imaginez, et puis d'une grande humilité, d'une grande modestie et d'une grande timidité, c'est ce que j'ai surtout retenu de lui. Il faut un caractère de fer pour ne pas sombrer, tu m'entends? Alors plus tard, quand tu seras assez fort... Ça, vous l'avez déjà dit à votre poisson, je vais au palais. Je t'en empêcherai. Ah, je voudrais bien voir ça. C'est tout vu. Parce que tu tiens trois rangs quand un poids-plume. Tu prétends faire la loi à des hommes qui font 20 kilos de mieux. Ça, alors la magistrature qui boxe maintenant. Oui, et la magistrature en question a été interrégimentaire, mon mignon. Elle a encore un punch très correct, si tu veux en taper. Mais ça va pas, hein. Je suis navré. Pas trop de mal, fiston. Hein? Ça va.
Comment étudiez-vous un rôle, Monsieur Bourville? Je ne l'étudie pas. Mais encore. Non, enfin, c'est-à-dire, vous savez, quand un auteur, un grand auteur comme Kayat, comme, ou un grand metteur en scène comme Autant Lara ou René Clair et d'autres, ont pensé à leur sujet. Ils ont vu leur, comment dirais-je, ils ont habillé tel ou tel personnage, ils lui ont donné le texte qui doit lui convenir. Alors quand vous avez tout ça entre les mains, que vous avez l'habit du personnage sur le dos, que vous avez le dialogue, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de penser. D'ailleurs, moi, je pense pas, ça me fatigue. J'y vais, je me jette à l'eau. Et vous savez, l'habit que l'on vous met sur le dos vous donne l'attitude que l'on doit avoir. Dans La Jument Verte, où j'étais un type avec des moustaches, des traits assez durs, le texte qu'on me donnait, par exemple, je vous dis un texte qui n'a rien à voir avec ce film, mais enfin, je vous donne un exemple. Par exemple, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là, nom de Dieu? Je m'excuse. Ben, automatiquement, quand vous dites ça, vous prenez cette attitude. Je sais pas, vous êtes un autoritaire. Alors que si on vous met une soutane sur le dos et qu'on vous fait dire pardonnez-moi, Monseigneur, là vous êtes comme ça. Vous voyez, le texte vous donne l'attitude à suivre, enfin à adopter, je pense. Quand on a le sens. Ah oui, quand on a le sens, enfin, on ne sait pas. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas d'école. Alors, surtout pour faire rire, il n'y a pas d'école. Juste après la guerre, Bourville quitte son minuscule appartement de la rue des Laitières à Vincennes. Ben oui, pour venir s'installer ici, Villa Niel, dans le 17e arrondissement. Oui. C'est là, alors, c'est au troisième étage. C'est là, oui, au troisième étage. Et là, on est bien au... Oui, on est au 18 de la rue Jean Goujon, là, on est dans le 8e arrondissement. Ah, et c'est là qu'en 1950, Bourville arrive pour la première fois avec son tout jeune enfant. Oui, il y habitait là avec son jeune enfant qui a quelques mois, qui est son fils aîné, Dominique. Oui, c'était là-haut, là. 16e arrondissement, boulevard Suchet au numéro 12, c'est ici que Bourville s'installera définitivement à partir de 1954 avec sa femme et ses deux enfants. Et d'ailleurs, il y restera jusqu'à la fin de ses jours. On imagine souvent la vie d'une vedette comme quelque chose de fastueux. Ah oui? On voit ce passant de hôpital extraordinaire, etc. Alors je voudrais vous demander, quelle est votre vie, M. Bourville? En dehors du travail. À votre santé. Vous voyez, les personnes de la radio-télévision belge sont bien des choses. Donc, il y a à boire. Ah, faut que je vous réponde à votre question, là. Ben, moi, je vis très, très simplement. C'est-à-dire que je vis avec ma femme et mes deux enfants. On est une femme qui travaille chez lui, nommée Madeleine, qui fait tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Et j'ai un appartement confortable, naturellement, mais sans plus, quoi. Je prends mes repas le plus possible chez moi, sauf quand je suis en tournée, mais je suis en tournée rarement. Comme je fais beaucoup de théâtre, je suis très souvent à Paris, je prends mes repas le midi et le soir chez moi, parce que j'aime être avec mes enfants. Parce que si on n'adopte pas cette méthode, les années passent, et d'un seul coup, on se retrouve devant des enfants qui ont 15 ans, sont des hommes. Et on se dit, mais je les ai pas vus tout petits. Et c'est vraiment triste d'avoir des enfants et de pas goûter justement ces années-là où qui sont si attendrissantes, quoi, de voir grandir. Crier après, d'ailleurs, parce que ça se passe pas toujours. Vous m'avez dit une vie simple, en fait, ça doit pas être si facile que ça de mener une vie simple dans votre cas, parce que, enfin, en rue, par exemple, on vous reconnaît tous les 10 mètres. Moi, non, pas tellement. Surtout en ce moment, parce qu'il fait froid. Alors, je me couvre la tête pour préserver ma tête, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai plus tellement de cheveux. C'est l'instruction qui fait ça. Oui. Dès que je force un peu dans ce domaine, parce que j'ai mon certificat d'études, n'est-ce pas, les cheveux tombent. Alors j'arrête. J'ai arrêté d'ailleurs.
Alors, je vous disais, dans la rue, en ce moment, comme il fait froid, je suis très couvert, voyez-vous, j'ai mon petit cache-col, comme ça. J'enlève mon col. Et, comme je suis ridicule, avec un chapeau, je mets une casquette. Et comme ça, j'ai l'air d'un voyou. Alors, les voyous, vous avez, on ne les aborde pas. Voilà. Alors Vincent, on est ici à Montaville, dans mm-hmm. les Yvelines, à plus ou moins trois quarts d'heure de Paris. Et c'est ici qu'en 1955, Bourville a acheté cette belle maison. Oui, hein? Tout à fait. On peut même appeler ça la maison du bonheur, mmh. parce que Bourville adorait venir dans cette maison. Mmh. Il adorait profiter de ce jardin, profiter de tous ses week-ends en famille, en nature. Au contact de la nature. Au contact de la nature. Et il adorait se promener dans son verger, magnifique verger. Et là, à 1,5 km d'ici, maximum, il y avait quelqu'un de très connu, un artiste très connu, qui est un des seuls d'ailleurs à être venu presque régulièrement rendre visite à Bourville. Qui? Tu vois pas? Il y a un jour, j'étais en train de tondre ma pelouse. Et je vois, dans mon champ visuel, je vois quelqu'un qui ouvre la barrière. J'ai dit, tiens, encore un casse-pied qui entre. Alors, je faisais semblant de ne pas le voir, puis je continuais à tondre. Et ce personnage s'approchait de moi, en blue jean, habillé en homme de la terre, un peu. Je me retourne, c'était Brassens, qui voulait acheter une tondeuse. Il croyait que j'étais expert en la matière. Il me dit, tu pourrais pas me conseiller pour acheter une bonne tondeuse? Il y a tellement de tondeuses. Et j'étais chez lui, il est venu chez moi. Comme ça, quoi, sans chichi, on mange au bord de la table, dans la cuisine ou n'importe où. Ça, j'aime ça. Et tout de suite, je suis devenu son ami. On devenait son ami en 5 minutes. Il était pas du tout, c'était pas du tout un paysan Bourville. Il avait pas cette malice paysanne. C'était ce qu'on aurait pu appeler au XVIIe siècle un honnête homme, quoi. Et c'était un homme même assez cultivé. De temps en temps, il me guidait dans mes lectures. Et par exemple, il m'a fait lire Russell, Pourquoi je ne suis pas chrétien, un petit opuscule qui l'avait beaucoup frappé, qui l'avait beaucoup touché. Alors on a un peu parlé de théologie, métaphysique, enfin. Je ne serais pas capable de dire ce que nous avons dit à ce moment-là, parce que dans le feu de la conversation, on s'excitait l'un l'autre et on arrivait à sortir de nous-mêmes des choses dont on ne soupçonnait pas l'existence. Oh. J'aimais les chansons de Bourville, j'aimais le ton qu'il avait, j'aimais surtout sa voix. Bourville avait une très belle voix. Aujourd'hui, on mélange un peu tous les genres, on dit les voix et les chanteurs, tout ça. Il n'avait pas une voix de chanteur, il avait une voix persuasive, une voix convaincante. Et même en chantant les cartes postales et les crayons, il y avait une espèce de tendresse dedans sous-jacente là qui me touchait. Je ne pense pas l'avoir inventé, elle y était, puisque par la suite ça a continué dans d'autres chansons. Je ne pouvais pas entendre Bourville sans ressentir une certaine émotion. Au bon temps des rois fainéants. Bonjour Gervaise. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la nièce de Bourville. Voilà, oui, la nièce de Bourville. Et on est avec vous ici sur la plage de Saint-Aubin, à quelques kilomètres seulement de Bourville. Et c'est la plage donc où Bourville passait toutes ses vacances, avec vous d'ailleurs. Voilà, il nous emmenait tous les étés, tous les cousins et les cousines. Et donc on partait le matin, il nous emmenait le matin, on revenait le midi pour déjeuner. Et on repartait vers 14h, 14h30 pour se baigner à nouveau. Et comment est-ce qu'il était en vacances comme ça? Il était détendu ou il était... Ah oui, il était superbe. Bon, vite, vite, les enfants, faut aller à la plage, apprendre à nager et profiter. Il s'occupait de nous, voilà. C'est lui qui nous a appris à nager. Dans la mer, ici qu'on voit. Là. Dans la mer, voilà. Il y a voilà. peut-être encore des traces. Peut-être. Mais avant, il nous mettait sur une chaise. Oui. Et il fallait faire les mouvements. Ah bon. Ah, il apprenait alors les mouvements. D'abord sur une chaise. C'est très technique. Voilà. Il fallait bien. Et après, on allait à Saint-Aubin. Et est-ce qu'il était sévère avec vous? Vous étiez enfant, avec ses fils, vous étiez tous ensemble. Est-ce qu'il était un tonton sévère ou un tonton gentil? Comment est-ce qu'il était en fait dans la vie? Il était gentil, mais il fallait respecter les règles, à savoir on déjeunait à telle heure, on obéissait quand même, il fallait... Oui. Est-ce qu'il était souvent reconnu ici sur la plage? Est-ce que les gens venaient le trouver Oui, il était reconnu, mais les gens le laissaient. Tranquille, oui. C'était de toute façon une plage assez calme, assez familiale. Donc on le voyait, on lui faisait un petit bonjour et ça passait, quoi. Et donc Bourville ici était en vacances, est-ce que
comme on dit, il se laissait aller, donc est-ce qu'il voulait quand même profiter de faire des bons repas? Est-ce que les vacances pour lui c'était synonyme de plage et de bonne bouffe, comme on dit, ou bien est-ce que c'était quelqu'un qui faisait attention? Quelqu'un qui avait une règle de vie très stricte, donc le midi il ne fallait pas trop manger, il fallait faire attention. Lorsqu'on allait se baigner l'après-midi, il fallait attendre au moins 2 heures, 2 heures et demie que la digestion se passe. Et donc le midi, il mangeait peu, on faisait attention. Hein. La santé de ses enfants. Voilà, à la nôtre, oui, moi j'avais tendance à grossir, être un petit peu boulotte. Il me disait toujours, Gervaise, mais fais attention à toi, tu verras plus tard. Et donc il faisait très très attention, parce qu'ici, évidemment, en Normandie, on mangeait la bonne crème, on ne sait pas cuisiner sans du beurre, de la bonne crème, et il faisait très attention à sa ligne. Et donc après un bon repas le soir, lorsqu'il en faisait, il allait se promener pendant 2 heures après. Promenade digestive. Voilà. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Comment est-ce que vous pouvez expliquer l'engouement que le public encore actuellement pour Bourvil 30 ans après sa disparition? Je crois qu'il y a un message qui est encore d'actualité, qui passe à travers tout ce qu'il a fait, de bien ou de moins bien, mais je crois que c'est toujours le même message. C'est cette idée que chaque homme, chaque femme recèle en lui une espèce de trésor d'humanité, et que même les gens qui se présentent au début comme des bénets ou qui sont des gens écrasés par la vie, ont des capacités à faire des choses qui sont des choses belles, généreuses, ou drôles, ou sympathiques, que la vie n'aura pas toujours laissé l'occasion de montrer, et qui, à l'occasion de l'histoire racontée dans le film, leur donne l'occasion de montrer. C'est le thème du Corneau, du côté comique, c'est le thème évidemment de Fortuna, du côté dramatique, c'est ça le message, et je crois que ce message est... Toujours actuel. Est toujours actuel. Et parle beaucoup. Et parlait-il beaucoup de son métier en famille? Est-ce que c'est un sujet qu'il abordait quotidiennement, ou bien il était plutôt discret, il restait... Ah non, il en parlait. Il en parlait beaucoup. Il en parlait. Il demandait au besoin de notre avis, qu'il prenait, qu'il laissait, mais il en parlait. Je le faisais réciter ses textes de temps en temps. Oui, en vacances, il amenait des textes. Il était très consciencieux, c'est-à-dire qu'il n'arrivait jamais sur un lieu de tournage sans connaître son texte. Ce qui n'est pas impossible, vous savez comme moi comment se font les tournages, donc c'est relativement lent, c'est toujours possible d'apprendre son texte juste avant la scène, il y a toujours un petit peu de perte de temps. Mais c'était un homme extrêmement consciencieux, donc il connaissait son texte avant, et je lui ai fait répéter des textes. Quel genre d'homme était-il en famille, en dehors du cinéma, en dehors des plateaux, en tant que père de famille? Ben, j'aurais tendance à vous dire deux choses, que c'était un père comme les autres, en dehors du cinéma. Cela dit, c'était un homme gay, à la fois gay et tendre. Est-ce qu'il avait des principes? Ah oui, c'était un homme qui privilégiait le travail, l'honnêteté et le respect des autres. Et je crois que c'est ça qui m'a légué, et à mon frère aussi. Je pense que c'est ces valeurs-là. Et ça, c'était permanent chez lui. Comment est-ce que vous viviez la grande notoriété de votre père? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vos amis vous en parlaient? Parce que c'était quand même, une star incroyable, donc tout le monde le reconnaissait dans la rue. Comment est-ce que vous avez vécu? Parce que pendant l'adolescence, à l'école, tout ça, je veux dire, ça doit être quand même quelque chose de particulier à vivre. D'abord, c'est une expérience unique, c'est-à-dire que je n'ai pas l'expérience de n'avoir pas connu ça. Donc pour moi, ça a toujours été une donnée. L'autre chose, c'est que ça imposait des règles de vie. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller à la fête foraine, par exemple. Ça, c'était inenvisageable. Parce que
c'est des choses qui lui auraient plu. Mais il lui disait, je peux pas venir avec vous, ça c'est pas possible. Il y a quand même des choses qu'il ne faisait pas à cause de sa notoriété. Ah oui, ah oui, il y a des choses qu'il faisait. Oui. Il y avait des lieux publics dans lesquels il n'allait pas, parce que sinon, il s'en sortait pas. Il n'était pas furieux. Il disait toujours, c'est parfois ennuyeux d'être reconnu dans la rue, mais c'est pire de ne pas l'être. Alors, c'est une bonne philosophie. C'était une philosophie. Est-ce qu'il y avait beaucoup de comédiens qui venaient chez vous à la maison, qui étaient assez intimes avec votre père, ou est-ce qu'il vraiment il séparait sa vie publique de sa vie privée La période durant laquelle il y a eu le plus de gens qui sont venus, c'est la période de la Bonne Planque. Parce que c'est lui qui avait décidé de faire cette pièce, et une partie des répétitions se sont faites chez lui. Ah, oui. Donc une partie. La mise en place du texte, je suis pas un grand spécialiste, mais il y avait une période où ils testaient les répliques les uns sur les autres, sans véritablement mettre la pièce en scène. C'était pas des répétitions dans un théâtre, et ça s'est fait dans la maison de campagne de mes parents. On a d'ailleurs après récupéré une partie du mobilier. C'était une pièce de boulevard classique, donc ça se passe dans l'intérieur de quelqu'un, et une partie du mobilier est restée chez nous, parce que je crois que c'est lui qui avait participé à la production. Je ne sais plus s'il était le seul producteur, donc une partie du mobilier est restée chez nous, et pendant des années, dans une petite pièce qui servait pas beaucoup, on a eu le canapé de la Bonne Planque, qui était extrêmement dur et extrêmement inconfortable. La télévision rediffuse chaque année, évidemment, une quantité de films incroyables avec Gourville. Est-ce que vous les regardez quand ils passent, ou est-ce que vous les avez tous vus et revus? Je les ai à peu près tous vus, donc j'ai eu l'occasion d'aller voir récemment un film que je n'avais jamais vu, qui est Tout l'heure du monde, et j'ai regardé ça comme un spectateur. Vous faites vraiment la part des choses. Vous ne voyez pas votre père spécialement chaque fois à l'écran, vous voyez comme non, un spectateur. Non, je revois mon père dans les interviews. Parce que là, il n'y a pas le jeu. C'est complètement différent. Une fois que le film part, c'est l'acteur. C'est l'acteur, et c'est une histoire qu'on me raconte, et puis je suis. Alors, je retrouve des tics, des façons de se comporter. Mais l'histoire m'emporte. Si je le retrouvais trop, ça serait mauvais signe. Ça voudrait dire que, il incarne pas le personnage. Et dernière question, une émission comme celle-ci qui retrace, on a essayé le mieux qu'on peut de retracer toute la carrière de votre père, ça vous inspire quoi? Ah ben, ça m'émeut, forcément. Là, c'est plus du tout le même rapport qu'avec un film. C'est un rapport de proximité. Et c'est un privilège formidable pour quelqu'un comme moi, pour un fils, de réussir à retrouver son père au milieu de tas d'interviews et de gens qui parlent de son père. C'est vrai que c'est une expérience exceptionnelle. Sur toute sa carrière, Bourville n'a interprété que deux pièces de théâtre. Le Bouillant Achille en 1949, mis en scène par Robert Derry, et La Bonne Planque, enregistrée par la télévision belge en 1964 au théâtre du Vaudeville à Bruxelles. Dis-moi qui venais vous apporter une bonne nouvelle. Ah, oui. Le concours des compositeurs amateurs. Oui. Notre émission Les Français chantent. Vous avez gagné le premier prix, monsieur. Antoine. Oui, monsieur. J'ai gagné le premier prix. Attendez. Je suis prévenu à mes copains. Vos joyeux colibris. Oui. Mais ces feuilles sont avertis. Ah bon. J'ai gagné le premier prix. Mais non. Non. Hein? Mille fois non, monsieur Perrin. Qu'est-ce qu'il y a? Mais voyons, mais vous perdez votre fraîcheur, mon vieux. C'est pas ma fraîcheur, mais... Mais parfaitement. Et quand je vais vous annoncer la nouvelle au micro devant tous nos auditeurs, vous n'aurez plus aucun enthousiasme. Ah bon? Allez, on recommence pendant que c'est chaud. Hein. Bon, allez, j'en refais mon entrée. Mais sans la danse du sable. allez, attention, là. Je reviens en arrière, là. Vous êtes mal revenu, là, hein? Oui, assez mal, je dois dire. Bon, allez, attention, nous sommes prêts. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mes chers auditeurs, je viens de sonner à la porte de l'heureux gagnant. La porte s'ouvre. Ça va mieux, votre cœur? Stop! Non, ne parlez pas de mon cœur. Recommence, comme si j'arrivais, et vous êtes censé ne m'avoir jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu. Non, on vous a pas vu. Si on vous demande, vous n'êtes pas là, quoi. C'est bien compris. Oh, non, vous avez compris. Ah, mais j'ai compris, moi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il compte à l'envers. Bon, on va pas y arriver.
Oui. J'ai dit zéro, madame. Mes chers auditeurs, je me trouve maintenant devant la toute charmante madame Perrin. Si, si, vous êtes madame Perrin. Vous portez un ample déshabillé et vous êtes fort surprise de me voir. Oh. Là. Madame Perrin, c'est la radio. Je sais. Je vous vois parler dans un micro, alors quand même. Ah, ouais. Ah oui, mes chers auditeurs, bien sûr, madame Perrin me voit parler dans un micro. Alors évidemment, elle se doute. Oui, madame Perrin, c'est la radio. Madame Perrin n'en dira pas plus, mes chers amis, car elle est muette d'émotion. Muette et très pâle. Et d'ailleurs, elle est partie. Je ne la vois plus. Voyez-vous, mes chers amis, j'ai l'impression qu'elle est allée chercher son mari. En effet, monsieur Perrin nous apparaît. Monsieur Perrin! Là, là! Ah! Là. Le voici! À une sautier comme une de ses chansons! Oh, un radioporteur! Oh, mais ça, alors, si je m'attendais! Oh! Bonjour, monsieur Perrin! Bonjour, monsieur! Le grand! Avant. J'aurais pensé le contraire. Oui, Approchez, n'ayez pas peur. Et permettez que je vous présente à 58 millions d'auditeurs. Non, si j'avais su, j'aurais mis une cravate. Aucune importance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous en doutez? Non, je me doute de rien. Vous avez entendu, mes chers auditeurs, ils ne se doutent de rien. C'est merveilleux, c'est absolument sensationnel. Extraordinaire. Monsieur Perrin. Oui. Le jury dans notre émission Les Français chantent vient de vous décerner le premier prix pour votre chanson Il n'y en a pas deux. Le premier prix? Oui, monsieur. Pour Il n'y en a pas deux? Oui. Ah! Ah! C'est une vraie surprise. Elle n'est pas naturelle. Eh bien, mon cher Perrin, oui. Vous êtes heureux, n'est-ce pas? Oui. Dites-le, mon vieux, dites-le. Oui. Je croyais que vous faisiez la collecte pour le premier prix. Non, mais il n'y a rien entre nous. Non. Je vous disais que vous étiez enthousiasmé. Oui, je suis enthousiasmé. Oui. Ah oui, je le dis, oui. Je suis enthousiasmé. Youpi! J'improvise. Très bien. Le lauréat est enthousiasmé. Enthousiasmé, youpi! Enthousiasmé, youpi! 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 Vous n'avez pas perdu de temps, hein? Vous me rappelez Landru. Pierrette Bonneau, vous avez été la partenaire privilégiée de Bourville durant nombreuses années. 7 ans exactement. D'ailleurs, je ne suis pas Pierrette Bonneau pour le public. Je suis, ah oui, Pierrette Bonneau, la partenaire de Bourville. Ah oui. Alors, on vient de voir un extrait de La Bonne Planque. C'est une pièce qui a eu un terrible succès dès sa création. Et ensuite, chaque fois qu'elle est rediffusée à la télévision, elle a le même succès. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Cette pièce a une histoire de télévision. Parce que nous jouions La Bonne Planque à Bruxelles, Vaudeville, depuis un mois. Et puis un soir, la télévision belge est arrivée, a dit « On vous dérangera pas du tout, mais est-ce que vous nous permettez de mettre 2 caméras pendant que vous jouez ?» Bon, très bien. Et ils nous filment, donc, avec le public dans la salle. Et puis un jour, la télévision française est en grève, la grève se prolonge et les programmes étaient tout d'un coup à court. Et la télévision belge donne à la télévision française la fameuse Bonne Planque. Et c'est un véritable raz-de-marée. Le courrier est arrivé par sac postaux, c'est ça qu'on veut. Et Pierre Sabag, qui à l'époque était directeur de la télévision, a senti la manne céleste et a fait au théâtre ce soir, c'est-à-dire mettre pendant qu'on joue 2 caméras dans la salle. Et donc au théâtre ce soir est née de la Bonne Planque en Belgique.
La scène, c'était sa vie. J'ai salué tous les soirs pendant 7 ans, on se prenait la main, et puis il écoutait l'intensité des applaudissements, et chaque fois que le rythme tombait, il disait « ça va, ils sont contents ». Et si je devais résumer la vie d'André, je dirais « André, c'est ça va, ils sont contents ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler la première rencontre que vous avez eue avec Bourvil? C'est dans Pacifico, c'est un... Ah oui, c'est... Moi, j'étais au conservatoire, je travaillais le classique. Comme j'arrivais de mon pays et que je voulais que mes parents soient tranquilles, j'ai fait le conservatoire et je voulais rentrer à la Comédie Française. Et puis, je jouais un tout petit rôle au Théâtre d'Aunou à l'époque, et un soir, dans la salle, il y avait Bourvil. Et il ne monte pas à la fin, mais le lendemain matin, le téléphone sonne et sa première phrase, j'entends encore là, « Est-ce que vous chantez ?» Ben, j'ai dit, dans le midi, tout le monde chante, mais enfin pas particulièrement. Ah, il me dit, oh, ben, tant pis, nous ne chanterons pas. Et alors il me donne le script de Pacifico. Et bon, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? C'était pas du tout, ma voix. Et puis on commence à répéter, et il y avait un duo qu'on devait chanter tous les deux, et puis moi, je me dis, peut-être que je peux faire mieux. Et je rentre chez moi, et j'écris mon premier duo avec Bourvil, qui s'appelait « Au Casimir, au Capucine ». Et le lendemain, je revois encore, j'arrive, je lui dis, si on mettait ça à la place? Alors, il le lit très sérieusement, il était toujours très sérieux, et il me dit, on croirait que vous écrivez des chansons depuis 50 ans, il n'y a pas un mot à changer. On a demandé la musique à Joe Moutet, qui était le musicien de l'opérette, et né Casimir et Capucine, voilà. Alors non seulement, qui a fait un tube, ça ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais à l'époque... C'est l'équivalent d'un tube maintenant. C'est l'équivalent d'un tube maintenant, c'est même devenu un classique. Je voulais te parler depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est bien le moment. Tant pis si je le dis maladroitement. Ben voilà, je t'aime bien. Chaque fois que je te vois dans l'embarras, j'aimerais pouvoir te sortir de là. Et bêtement, je pense que ça t'aidera si je te dis je t'aime bien. Oh, Capucine. Oh, Casimir. Quoi? Ben, il fait chaud. Des fois, tu fais une tête comme ça. Y en a d'autres qui se moqueraient de toi. Aimez-moi si je suis la seule qui ne rit pas. C'est parce que je t'aime bien. Capucine, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises tout ça. T'as dû voir que si je te parlais pas, j'étais toujours là quand t'étais là. Alors je me disais, elle comprendra que moi aussi, je l'aime bien. Un jour tu m'as appelé mon lapin, ça fait rigoler les copains. J'ai vu dans tes yeux un peu de chagrin. Et depuis, qu'est-ce que je t'aime bien. Oh, Casimir. Oh, Capucine. Quoi? Ben, il fait froid. Ceux qui pourraient te voir maintenant
dirait, elle a une tête d'enterrement. Mais moi, je sais que t'es heureuse en dedans, parce que je t'aime bien. Casimir, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises tout ça. La première fois, ton nom m'a fait rire, et pourtant, ça me ferait rudement plaisir d'appeler notre premier fils Casimir, parce que je t'aime bien. À propos, je te l'ai jamais dit, mais moi qui ne suis pas dégourdi, ben j'ai fait des rêves un peu hardis, parce que je t'aime bien. Oh, Casimir. Oh, Capucine. Ouais. Ben, là j'ai chaud. Mais tu vois, en réfléchissant bien, quand je dis que c'est à toi que je tiens, c'est pas tellement parce que je t'aime bien. C'est pourquoi alors? C'est parce que je t'aime. Vous avez tourné aussi deux films avec Bourville, oui, Le Tracassin et Le Capitaine. J'étais le capitaine, j'ai écrit le duo de Pour séparer l'amour. Ah, okay. C'est une magnifique chanson. Oui, oui. C'était oui. À sa demande ou bien comment ça s'est passé? Comment avez-vous écrit cette chanson? André, il ne supportait pas de ne pas chanter, n'est-ce pas? Je suis allée des tas de fois chez lui et je rentrais dans son bureau. Il était juché sur son escabeau avec son accordéon et il chantait. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours, on se comprend toujours. Car un vrai troubadour ne prend jamais dans l'amour la nuit pour le jour. Les mots sont bien, tous les mêmes, pour se chanter que l'on s'aime. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours, on se comprend toujours. En t'écoutant, j'ai appris. En m'écoutant. Les jolis mots de Paris. Ah oui. Apprends un peu ce qu'on dit. Hein? C'est Paris. Carino mio, qui est douce et belle. C'est mon coco. Vieni, vieni, vieni qui. Là, arrête, j'ai compris. Ça veut dire viens ici. Si, si, si. Et sans attendre, soyons plus tendres. Parlons enfin avec les mains. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours. On se comprend toujours. Car un vrai troubadour ne prend jamais d'en amour la nuit pour le jour. Les mots sont bien, tous les mêmes, pour se chanter que l'on s'aime. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours, on se comprend toujours. Et la main, nous prendrons demain le même chemin pour se parler d'amour. La main, nous prendrons demain le même chemin pour parler d'amour. Faire parler, c'est d'amour. Pour se parler d'amour. Pour se parler d'amour. La chanson, c'était sa vie. Ah oui.
bien plus que tout le reste. Ce qu'on ignore, parce que c'est vrai qu'on connaît de plus en plus... Enfin, oui, parce qu'on repasse les films. Mais vous ne verrez jamais André en scène sans chanter. Sans chanter. Non, il n'aurait pas pu. Ça, il n'aurait pas pu. Aimez-vous ce petit père-là? C'est un air qui chante en moi. Depuis que vous êtes là. Il est bien ce petit air-là. Vos grands yeux si malicieux en ont fait un air joyeux. Quand il aperçoit vos dents, mon petit père devient gourmand. Pour mieux encore l'inspirer, faudra donc tout lui montrer. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi, près de la rivière où notre chaumière bat comme un cœur plein de joie. Si je vous disais que j'ai envie de quoi donc? De faire un tour à la mairie. Mon courage, alors voilà. J'ai mis de l'amour de côté depuis déjà pas mal d'années. Si ça peut faire votre bonheur, je vous le donne de tout mon cœur. Ça fait beaucoup mieux qu'elle. Cornio, c'est bien le premier des trois films que Bourville a tourné avec Gérard Rouvry. Oui, c'est le tout premier. Et d'ailleurs, tu te rappelles la Cadillac du Cornio? Oui. Eh bien, on est dedans. Ça, ça le dit. La Cadillac du Cornio. Qu'est-ce que tu fais? Attends, ce que je fais, il y a peut-être le Yukun-Kun dans le klaxon. Attends. Le Yukun-Kun. S'il y a le Yukun-Kun dans le klaxon, il y a peut-être aussi de l'or dans les pare-chocs. De quoi? De l'or dans les pare-chocs. Hey, arrête. Quoi? Je crois qu'on nous regarde. Remonte dans la voiture discrètement. On repart. Vas-y.
Regarde-moi ça. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins. Il faut que j'écoute le son. Vous êtes rendu compte de ce qui vous arrivait à ce moment-là, quand tout a sauté? Oui, parce que c'est écrit dans le scénario, alors je savais. Et comme je lis toujours mes scénarios avant... C'est pour ça qu'il faut avoir l'air étonné, quand vous ne l'étant pas. 2 ans après le Corniaud, la même équipe se retrouve sur le plateau de tournage de... Ben, La Grotte Vadrouille. Exact. Un film qui a eu un énorme succès. Oh, 17 énorme. Millions de spectateurs en salle et 100 millions de téléspectateurs. Oh. Pardon, messieurs, où sont les coulisses? Les coulisses, au fond du couloir, à gauche. Vos places, s'il vous plaît. Allez, arrangez bien vos uniformes. L'uniforme est bien à l'allemande. Démarche sèche. Hein? Alors, ainsi, Gérard Houry fait revivre le temps où la Wehrmacht avait, entre autres, des occupations artistiques. Il tente même de nous faire croire qu'en ce temps-là, le chef d'orchestre de l'opéra était un certain Louis de Funès. Lors du tournage de La Grotte Vadrouille, vous aviez expliqué que, contrairement au tournage du Corniaud, il y avait beaucoup de scènes en commun entre Bourvil et de Funès. Comment le jeu s'est passé entre eux? Parce qu'ils jouaient d'une manière assez différente, je crois, au départ. Ben, c'est-à-dire que ça posait un problème artistico-technique, effectivement. Dans le Corniaud, de Funès suit à distance Bourvil dans cette fameuse Cadillac bourrée de drogue, de bijoux volés, de trucs comme ça. Donc, il n'y a pas tellement de scènes entre eux. Mais dans La Grande Vadrouille, ils sont tout le temps ensemble. Alors, il se trouve que ça me posait moins un problème, est un problème que j'ai résolu. C'est que, très souvent, Bourvil était excellent, merveilleux, dans les 1, 2, 3, 4 premières prises, puis il commençait à se lasser après, et que de Funès se mettait au point, quelquefois à la 12e, 13e, 14e prise. Alors il s'agissait naturellement, mais ça, vous savez, c'est des problèmes techniques, on en vient à bout. Ce que de Funès et Bourvil ajoutaient aussi, ils avaient des idées pour le tournage. Oui, ils avaient des idées, par exemple, la fameuse balade, dans La Grande Vadrouille, ayant franchi ce mur, de Funès atterrit sur les épaules. Mm-hmm. Ouais. Il n'était pas écrit qu'il continuait dans cette... Ah bon? Absolument pas écrit. Donc il franchit le mur, bon, et il dit, mais on est très... Pourquoi on va continuer? Il est très bien comme ça, bon, dit Bourvil, et il le trimballe comme ça pendant tout un temps. C'est des choses que nous avons trouvées en commun, en disant, ben, c'est beaucoup mieux si on continue comme ça, que si tu descends, que on continue à pied. Et ça a même fait, c'est tellement efficace, que ça a même fait l'affiche du film. Je crois que c'est sur le tournage du cerveau que Bourvil a commencé à ressentir des maux de dos. Il y a deux moments où il est très mal au dos. Au début, quand il passe dans une galerie pour essayer d'aller délivrer Belmondo, il passe l'un à contrario dans deux galeries, il y avait mal dans le dos quand j'ai fait ces plans-là, quand il cherche à le faire évader de Fresnes. Et puis plus tard, lorsque, je m'en rappelle très bien, lorsqu'il doit attraper un train en marche, le train du wagon qui contient les sacs postaux, là, avec plein d'argent dedans, il avait mal en courant après le train pour monter en marche dans le train. Lors de la première du cerveau, vous avez appris malheureusement une assez mauvaise nouvelle. Vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances j'avais un excellent médecin, un ami à moi, et je lui ai dit, va donc voir le docteur Intel. Il est allé voir ce docteur, ce médecin. Et comme il y avait le projet de la Folie des Grandeurs un an plus tard, ce médecin m'a dit, il savait l'importance que ça avait. Il y avait vraiment une préparation énorme à faire sur la Folie des Grandeurs. Et ce médecin m'a dit, écoute, je crains bien que tu n'es pas Bourvil pour le faire dans un an. Alors j'étais bouleversé, désespéré. Quand il a tourné L'Arbre de Noël, il y avait la version anglaise.
Et il avait travaillé, mais vraiment, vraiment fantastiquement. Mais il y avait sa langue qui commençait à se paralyser. Et, bon, il n'y arrivait pas. Et alors il m'a dit cette phrase. La 403. Lors du tournage du Cercle Rouge, son avant-dernier film, Bourville, malade mais toujours facétieux, va piéger le comédien qui joue à ses côtés. Jean-Pierre Melville, le réalisateur, nous explique comment. Le jour est arrivé de tourner le dernier plan du film. Il a tenu à faire une blague. Il a dit à l'adjoint qu'il suivait. Et vous savez comment j'ai fait pour arriver à la solution de cette affaire? Eh bien, c'est tout simplement en appliquant là. Et là, il s'est mis à chanter. La tactique du gendarme. C'est toujours là. Quand on ne l'attend pas, là, du gendarme, c'est des... Oh! Et j'ai eu! Ça, c'est The Happy End. Ce dont je me souviens, c'est du courage extraordinaire dont il faisait montre lorsque nous tournions le film de Camus, Le mur de l'Atlantique. Là, manifestement, il souffrait énormément et il faisait tout son possible pour ne pas perturber le tournage et pour montrer le moins possible qu'il était entre guillemets, voilà, presque mourant. Oui, mourant, mais il n'en parlait pas. Pas loin. Merde, Léon, Juliette, ton père. C'est sur le tournage de ce dernier film qu'a été réalisée cette ultime et bouleversante interview. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Moi, oui, d'après vous. Dites-moi, vous qui êtes psychologue, est-ce que j'ai l'air heureux? Vous avez l'air heureux, mais enfin, on peut avoir l'air heureux et ne pas l'être. Si. Je suis un homme heureux. Oh, ben, si j'étais pas heureux, il faudrait vraiment que je sois exigeant. Hein. Quoi, qu'est-ce qui vous a rendu heureux alors? Bah, la vie, quoi. J'ai une bonne santé, je fais un métier qui me plaît, j'ai deux enfants formidables qui travaillent, j'ai une femme qui est une mère extraordinaire. Bah, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? De l'argent, je crois que j'en ai assez pour vous. J'ai pas besoin de faire la quête. Et quand je serai vieux, j'aurai rien à demander à personne, ce qui est bien agréable. Alors, si avec ça j'étais pas heureux, alors je serais à gifler. Il n'a jamais ressemblé à personne. Il était tellement naturel et il avait tellement de bonté dans l'âme que toute cette bonté, toute cette intelligence ressortait et il avait pris pour le ressortir un personnage de... C'est extraordinaire, c'est drôle. Il m'a apporté... La vraisemblance, la vérité d'un personnage, et qu'il m'a montré qu'on pouvait exprimer toutes les facettes de son talent sans donner l'impression de faire un numéro. Ah oui. En intégrant complètement un personnage. Et ça, c'est la nuance de celui qui est un petit peu plus grand. D'accord. En fait, c'est un très très grand numéro, mais c'est un numéro complètement intégré et qui est complètement intégré au personnage qu'il interprète. C'est-à-dire que Bourville était toujours vrai dans tout ce qu'il jouait. Et dans Thénardier, on y croyait complètement, hein, cette crapule épouvantable. Et puis après, il dégageait toute la tendresse, tout l'humour, tout le comique que vous avez vu, que tous les spectateurs et les spectatrices ont vu depuis des années. Et pour moi, je lui tire un grand coup de chapeau à cause de ça. Quand on entend même ses disques qui étaient, il avait dans sa simplicité
Il avait une force extraordinaire. Ça vous, Bourvil, ça vous rentre à l'intérieur complètement, qui vous prend. Et pourtant, ça a l'air bête comme chou. Ouais, ouais. Tout simple. On a l'impression, quand on voit jouer Bourvil, on se dit, bon, il suffit d'être naturel. Ouais, ouais. Moi, je vais faire comme lui. Mais c'est là. Ouais. C'est là où c'est justement la marque des grands et le plus difficile. C'était un homme très, 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 très raffiné, Bourvil. Par exemple, il a fait une chose, je le dis parce que c'est vrai, il avait signé un contrat, et c'est les gens de la Gaumont, Alain Poiret qui m'a raconté, il avait signé un contrat pour tourner La Folie des Grandeurs. Ouais. Et bien sûr, on l'avait versé à un avaloir. Bon, il est mort. Il est mort avant. Hein. Et sur son lit de mort, il a dit à sa femme, tu vas rendre l'argent à la Gaumont. Oh les gars, il y en a beaucoup là, et oh, ben c'est Bourvil, voilà. C'est Bourvil, c'était l'honnête homme, d'ailleurs, il avait beau jouer des rôles de salaud dans certains films, c'est l'espèce d'authentique innocence et de chaleur et de bonté, ressortait et en faisait un honnête homme. Ah, moi, j'ai été très touché par cet homme-là. Très, très touché. Et André n'aimait pas l'oubli. Un jour, nous étions tous réunis, c'était Pacifico, donc on était très nombreux, et nous étions tous réunis dans sa loge. Et on parlait d'un acteur qui avait été célèbre en son temps. Et un disait, il est mort. Il disait, oui, oui. Non, non, il est pas mort. Il est dans une maison. Non, 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 non. Et personne n'arrivait à tomber d'accord sur le fait qu'il soit vivant, retiré, mort. Et André s'est retourné. Il avait des larmes qui coulaient parce qu'il avait cette faculté de passer du rire aux larmes en une. Partir au pays d'où l'on ne revient pas, d'où l'on ne revient pas. Cette vie que tu aimais, qui t'avait tout donné, un jour s'en est allée. Et j'ai beau me répéter que jamais, jamais plus, je ne te reverrai. Je ne puis me résigner quand je parle de toi, à parler au passé. Tu es là, tellement présent, qu'il m'arrive parfois de chanter avec toi. Oh, Capucine. Oh, Casimir. Je revois ton regard bleu, ton nez un peu tordu et ton air ingénu. Mais surtout j'entends ton rire, ton grand rire enfantin. Alors ça me fait rire. Et j'y viens mêler le mien. Est-ce que tu te souviens comment on s'amusait bien? Puis quand le rideau tombait et qu'on t'applaudissait et qu'on t'applaudissait, tu serrais un peu ma main en disant simplement ça va, ils sont contents. Car leur joie était ta joie, tu as vécu pour ça et ils le savent bien. Tu peux en être certain, ils ne t'oublient pas. Ton rire, ton grand rire enfantin, alors ça les fait rire. Et je sens ta grosse main serrer un peu ma main, et ça me fait du bien. Oh, Capucine. Oh, Casimir. Je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson? Qu'est-ce qu'elle n'a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma petite chanson?
qui ne te plaît plus. Elle avait toutes les qualités, elle ne ressemblait à aucune autre chanson. Elle mettait au fond de ton cœur autant de couleurs qu'une fleur au balcon. Elle parlait d'amour et de joie, et lorsque parfois elle changeait de ton, elle prenait un air attendri comme un enfant qui demanderait pardon.